Kalto Kouikambi sur le ballon. Kalto Kouikambi qui va retrouver le chemin des filets. Qu'est-ce qu'il va faire? Le but! Le score dans le jeu, le score. Bien, Kalto Kouikambi. Enfin, un Camerounais, vainqueur du prix Mac Vivien Foué, Kalto Kouikambi, a reçu ce lundi 14 mai, des mains de RFI et France 24, le prix Mac Vivien Foué édition 2018, un prix décerné au meilleur footballeur africain évoluant au championnat français de Ligue 1. Le Camerounais de 25 ans a additionné à lui seul 264 points. Une large domination sur ses adversaires Wasbi Kazri, le Tunisien de Stade Rennais, qui a réussi à totaliser 165 points. Et le troisième, le Burkinabé Bertrand Traoré, loin derrière, avec 61 points. Une bonne affaire pour le champion d'Afrique 2017, après une saison époustouflante avec son club, où il a réalisé lui seul plus de la moitié des buts de son club, soit 17 réalisations en 36 matchs. Le Camerounais succède en toute logique à l'Ivoirien Jacques-Mike Seri, vainqueur de l'édition 2017. L'attaquant d'Angers devient ainsi le premier Camerounais à remporter le prix Mac Vivien Foué depuis sa création. Kalto Kouikambi vient voler la vedette à ses compatriotes Vincent Aboubakar et Benjamin Moukandjo après moult tentatives. Une bonne affaire pour la carrière du joueur qui certainement ne pourrait plus continuer son aventure avec le club angevin car il est de plus en plus sollicité par des grands clubs européens.